plus j'ai de travail manuel, plus j'arrive à croire que je participe aux choses terrestres, et plus je m'y acharne, comme on s'accroche à une épave. Eh bien, dans ce moment-ci, c'est un manœuvre qui vous parle. Évidemment, il m'arrive, quand j'écris, de ne pas être exactement un manœuvre, puisqu'il faut que ma tête travaille en même temps que ma main, et que ma main serve ce personnage mystérieux qui m'habite et que je ne connais pas. Je ne suis qu'un intermédiaire, qu'un médium et qu'une main-d'œuvre. Et tous les poètes sont des médiums et des main-d'œuvre de cette force mystérieuse qui les habite. Je ne me vante pas, je ne parle pas d'inspiration. L'inspiration ne nous arrive pas de quelque ciel. L'inspiration devrait s'appeler l'expiration. C'est quelque chose qui sort de nos profondeurs, de notre nuit, et en somme, un poète essaye de mettre sa nuit sur la table.